Les semaines passées. Pense à toutes ces choses. Elles peuvent être grosses ou elles peuvent être petites. Toutes ces choses qui ont fait que tu as pu être stressé, blessé, attristé, apeuré. Pense à toutes ces choses-là. Tu peux m'en dire quelques-unes et d'en parler, ça va déjà te libérer un petit peu.
c'est dans cette boîte, interfère avec ton moment de détente. D'accord? Tu te sens mieux? On les regarde plus, d'accord? La boîte est fermée. Ne risque pas de revenir par ici, donc ne t'inquiète plus, d'accord? Sois serein, sois sereine.
Est-ce que tu te sens? C'est déjà bien mieux. Oui. Bon, j'en ai laissé quelques-unes parce que il y a toujours des ondes négatives qui nous permettent de grandir, toujours de la négativité de laquelle on peut tirer du positif. Par exemple, il y a certaines expériences qui peuvent nous affaiblir, nous attrister, mais par la suite on peut en tirer une leçon et devenir plus fort. D'où le dicton, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc j'ai pensé à laisser de petites ondes négatives par-ci par-là pour que tu puisses peut-être tirer certaines conclusions, certaines leçons d'expériences désagréables qui te permettront de grandir. De toute façon, il faut toujours un équilibre entre le positif et le négatif. Je pense qu'on ne peut pas être tout le temps heureux. Et heureusement qu'on ne peut pas être tout le temps malheureux non plus. Donc, laisser du négatif, c'est important. Mais pas trop non plus. Bon. Écoute, je pense que cette séance de positivité et de retrait d'ondes négatives a été assez éprouvante. Je sais que parler de choses un petit peu personnelles et profondes, se repencher sur certaines expériences, peut être éprouvant. Notamment pour les personnes pudiques, ça peut être compliqué de parler. Mais c'est important de le faire. De s'ouvrir aux autres même quand ça ne va pas. Se renfermer, c'est une des pires choses à faire. Donc, je vais te laisser parce que je pense que tu as besoin de te reposer. Mais surtout, n'oublie jamais que tu n'es pas seule. Et que c'est important de parler à quelqu'un, d'accord? Si tu ne vas pas bien, parle à quelqu'un. Peu importe qui. Je peux t'assurer que si tu dis à quelqu'un que tu vas mal, tu recevras très peu de portes fermées, voire quasi pas de portes fermées. Les gens ne sont pas si
semble bon, d'accord? Mais ne ressasse pas trop toutes ces choses, d'accord? C'est important de savoir se détacher des mauvais moments du passé pour pouvoir se concentrer sur le présent et avancer vers le futur. Certains moments douloureux sont difficiles à oublier et d'ailleurs certains ne doivent pas être oubliés, mais il faut savoir avancer, passer outre ou alors se servir de ces expériences pour, comme je disais tout à l'heure, grandir, d'accord? Donc, je sais que tu sauras quoi faire avec ce qu'il y a dans cette boîte, mais aie toujours un regard bienveillant envers toi-même. Ne sois pas trop difficile envers toi-même et envers les choix que tu as pu faire. Tout ce qui arrive n'est pas toujours de ta faute, d'accord? Voilà, j'espère que tu te sens déjà beaucoup plus apaisé, positif, et que ce moment t'aura permis d'aller mieux, ok? À bientôt alors. Tu prends bien soin de toi, ok? Et surtout, tu me fais